Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, cher et tous mes frères et sœurs. Voilà, je suis une personne qui s'est convertie il y a 2 semaines à peu près. Allahu Akbar. Naam, walhamdulillah. Ce frère est en couple avec une fille qui n'est pas musulmane, dont il a eu un bébé ces jours-ci. Il aimerait savoir quel est le jugement concernant son enfant et le jugement concernant sa situation avec cette fille et quel comportement avoir avec elle. Car apparemment, elle aimerait bien connaître la vérité. Elle croit en Allah, en Dieu, mais je ne sais pas si elle est chrétienne ou juive. Je suis désolé, je n'ai pas été assez clair. Je connais une personne, c'est pas moi, Inch'Allah. Naam, c'est une personne, c'est une autre personne. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. L'enfant qui est né de ce rapport, ce naam, n'est pas un enfant halal. C'est-à-dire que cet homme-là n'était pas musulman et sa femme n'est ni chrétienne, ni juive, ni musulmane. Donc cet enfant n'est pas légitime. Cet enfant sera le fils de sa mère. Sera le fils de sa mère et non pas le fils de son père. C'est-à-dire que si sa mère meurt, il va l'hériter. Et si lui, il meurt, sa mère va l'hériter. Mais ce père biologique n'est pas son père, n'est pas son vrai père. Quant à la femme, hein, à partir d'aujourd'hui, après qu'il soit rentré en islam, il n'a plus le droit de vivre avec elle, encore moins de l'approcher. Encore moins de l'approcher, sauf si c'est quoi? Sauf si elle rentre dans l'islam, ou bien dans le christianisme, ou bien dans le judaïsme. Hein. Et dans ce cas, bien sûr, il devrait se séparer et attendre au moins une fois les menstrues pour savoir qu'elle n'est pas enceinte et faire le repentir. Les deux doivent faire le repentir et regretter et ne pas se parler pendant cette période, etc. Ensuite, il va chez son tuteur demander, son tuteur, Yannick qui est musulman bien sûr, il va lui chercher un tuteur musulman, il va lui demander sa main et se marier avec elle. Naam. S'il se marie avec elle, son enfant dont on vient de parler, illégitime, si c'est une fille, elle pourra se dévoiler devant son père biologique, parce que son père vient de se marier avec sa mère. Elle est devenue une rabiba. Elle est devenue une fille adoptive. Wallahu azza wa jal a'lam. Tafaddal inshallah ta'ala le suivant.